2000. Et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de Sonic Advance 3 pour la suite de notre aventure. Et nous allons choisir le duo incontournable, comme d'habitude, Knuckles et Tails. Enfin, moi c'est mon choix à titre personnel, mais vous pouvez jouer avec avec le groupe avec lequel vous serez le plus à l'aise. Moi personnellement, c'est the best group. Enfin pour moi, encore une fois. Ah là là, le monde de la glace. On va... Enfin ça va pas être facile. D'après mes souvenirs, c'était un niveau quand même pas mal dur à passer. Ou alors... Je vais pas attendre 50 ans. On va activer la magie de Tails, enfin la compétence de Tails, et hop, on se trouve au-dessus. C'est la magie des compétences à plusieurs. Bon, un KO. Bon, bah il en reste 9, mais bon. Comme je vous l'ai déjà dit, on va pas trop faire la recherche de ces petites bébêtes. C'est plutôt dommage, mais ça prendrait un peu trop énormément de temps. Je vous laisserai l'occasion de le faire vous-même de votre côté, si je vous ai donné envie de télécharger ce Sonic. Ah mince. Bon bah ça a rattrapé. Et une vie en plus, ça va bien nous aider pour le boss de ce monde là. Parce que ce boss de ce monde là, il est un peu... Enfin je pense que c'est même le boss le plus chaud de ce jeu. Enfin, pas le boss... Enfin le boss final est quand même chaud. Mais sur les 7 boss avant le boss final, je pense que c'est celui-ci le... Bah d'après mes souvenirs. Le plus énervant à passer. Allez hop. Et fin de niveau. Médaille d'argent. Alors, allons au niveau 2. Il se trouve juste là. Tant mieux. Les niveaux dans ce monde là sont pas très durs à trouver, comme le boss d'ailleurs. Je pense qu'en avis on sera obligé d'aller dans l'eau. Je suis pas sûr mais bah, attendez. Hop, on utilise Tails. Mince. Ah s'il te plaît le jeu. Voilà, merci. On va un peu plus haut. Au moins on pourra pas. Eh hey merde, je suis allé sur le projectif de l'ennemi. Pour le moment ça va, on va pas dans l'eau. Donc tout va bien. Je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais bon tant pis. Encore un peu, on spawnait son projectile à l'autre. Ok, bon bah ça servait à rien de faire ça. C'est parti.
Attendez. Voilà, on passe par ici. Et hop, passage secret. Bon alors, comment on passe par ici? Ah, c'est cool ça, on a pu emprunter une rampe. Ah, par contre, on est bientôt dans l'eau, ce qui fait que... ok, d'accord. Je pense que je me suis perdu. Bon, bah, on va devoir faire un petit niveau aquatique. On y sera forcé. Ah, hop. Une grosse bulle, vite. Oh, c'était chaud. Je crois que j'ai jamais eu autant de chance. Le timer, je crois que c'est vraiment à la milliseconde près. Là, franchement, j'ai jamais eu autant de chance sur le timer d'un jeu Sonic. Déjà? Ah, mais rassurez-moi, c'est bientôt fini. Ouais, c'est bon. Eh ben, le niveau 2, il nous en aura fait baver. Un minimum. Allez, go pour le level 3. Ah, ces bandes d'enflure. Tant pis, on va faire comme ça. Mais what? Ah ouais, d'accord, il y avait un ennemi au-dessus. Je comprends. Bah, j'ai joué à lui, il a réussi à nous faire perdre pas mal de temps. Bon, bah, après, je m'en plains pas, les vidéos sur ce jeu sont pas très longues. Eh merde, on s'est fait avoir comme des bleus. Lol, pourquoi t'as pas avancé? Mais c'est pas bientôt fini, ouais? Voilà. Ah, si c'était rien que pour ça. Allez hop! Qu'est-ce que foutez des glaciers dans les airs? On va aller le savoir. D'accord. Excusez-moi, j'ai dû couper pendant quelques temps. Eh merde. Allez hop. Allez. Hop, voilà, c'est fait. Oula.
Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Je crois pas que ce soit par là qu'il faut. Non. Mauvais endroit. Bah, je serai pour la prochaine fois. Si j'oublie pas. Fin du niveau. Et c'est parti pour se taper le boss. Alors si je me souviens bien, le boss de ce niveau, comme je vous l'ai dit, est assez chaud. Oh, on va faire comme ça. Voilà. Et c'est parti. Twinkle Snow. Alors, Snow, je sais que ça veut dire neige, mais par contre, Twinkle, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, vous me le direz en commentaire. Ou alors, je vais pas vous comporter en tant que flemmard, je vais rechercher la définition sur Google Trad. Donc, ne vous donnez pas cette peine. Voilà, alors pour ceux qui connaissent le boss, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bon bah. Alors, il y a une technique assez simple pour le rendre plus facile. Mais il faut bien se placer. Et vous l'aurez compris, je pense, on peut mourir de manière assez facile. Voilà. Ça commence. Limite, les pièces, ça sert pas vraiment à grand chose. On se met sur le premier. Et merci Tails. Je pense que c'est à cause de lui que je suis mort. Enfin, il y aura pas mal de fails hein, sur ce boss. Bon bah c'est game over. Dommage, dommage, dommage. C'est pas grave. On va réessayer. Round 2. Oh, on a pris toutes les pièces d'un coup. C'était une mauvaise idée. Ça se passe assez mal. Ça a l'air de mieux se passer. Oh bon bah on l'a carrément one shot le pauvre. Mais sinon si on fait pas gaffe il peut être assez hardcore. On s'est quand même chopé un game over hein. Et partons pour le monde suivant. Ouais, je sais, je parle moins, mais c'est parce que je suis un peu obligé. Encore une fois, il est un peu tard. Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci à tourner un peu tard le soir. Si
Nightmare Track. Alors je sais pas vraiment ce que veut dire le mot track, mais je l'ai souvent entendu ou alors vu dans de nombreux endroits. Par contre cyber c'est robotique si je me trompe pas. Et comme d'habitude nous allons nous laisser sur cette fin de boss et sur ce début de niveau. En espérant que la vidéo de votre côté vous sera plu. J'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, je tâcherai de vous répondre. À me soutenir en mettant vos pouces vers le haut et à partager la vidéo autour de vous. Tout se passe autour de vous. C'est pour ça que c'est important. Sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao mes minous.